Voilà, on s'est arrêté la dernière fois. On avait classé du coup les musiques du jeu de base de Guild Wars 2, de la saison 1, de la saison 2, qu'on voit ici là, et HOT, qui sont là. Ok, c'est parti. On commence avec le mémorial de Eir, la fameuse Eir, Alzheimer. Ça marche, Moonrise. RIP Eir. RIP, franchement, elle. Je trouve qu'elle manquait pas d'air. Hein. Ouais, je suis d'accord. Pas de ressentiment spécial sur ce thème. Hein. Tac! C'est Time is Game. Time is Time, il est là. My bad. Ça arrive après, du coup, le Time is Game. C'est franchement Bram qui aurait dû crever, pas elle. Ah, ah, c'est sûr que je préférais hier, entre les deux. Je vais pas vous mentir. Je vais monter le son. Normalement, vous devrez bien entendre. Thème est sympa celui-là. Il est loin d'être épique, hein, on est d'accord, mais. Te mettre en cool. Il y a une petite vibe. Un peu mélancolique là, vous voyez. Ouais, ça manque d'un frisson. Ah, tu le mettrais en quatrième? Ouais, cool. Au quatrième, c'était tout ce qui était un peu. Ouais, c'était un peu le Bear Spirit, quoi. Un peu chill, mais trop chill. Ouais, il est chill, ouais. Exactement comme Adiash. On est d'accord. Allez, les marais. C'est le thème oppressant, ça. Hein. Ouais, c'est le thème oppressant, ça. Celui-là, il décolle jamais, c'est juste de l'oppression mentale. Je me souviens même pas à quel moment on l'entend dans le jeu, pour être honnête. Où est-ce que j'avais mis Zaitan? Ça me fait penser un peu au thème. Ah, il est là. Bah, je vais le mettre avec Zaitan, je pense. Ok, tiers mai, ouais. Je vais le mettre là. Ça me fait pas penser à. Vous voyez. Quoi après? Codicus! Le bien-aimé. Du coup, je la mets où? Je la mets. Bon, elle est un peu comme celle-là, en fait. Hein. C'est un peu le même délire, je pense, les deux là. On va les mettre ensemble. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? Timing. Ah, alors. Le jeu de timing. Tiens, d'ailleurs, Amber Bay, il est où, hein? Ah, il est après. Ok. Alors, je crois que les deux, là, parce qu'il y a deux parties sur ce thème, il y a quand même une variation entre les deux. Je sais pas si ça justifie de les mettre à un tiers différent, honnêtement, mais. Mais cette musique, elle est vraiment excellente, je suis d'accord. Il y a quelque chose. Je t'ai vu, Dalkent.
Restez un instant et écoutez-moi. Merci Cinzar pour le resub. Trop entendu. Bah on l'entend souvent. Après en jeu, je sais pas si on l'entend souvent. Je pense que c'est beaucoup de créateurs de contenu l'utilisent. Je suis moi-même coupable. Je mets juste la suivante pour me rappeler la différence. Banger. Banger ou épique? Franchement, c'est bien quand même hein, comme son. Attendez, je mets les deux là parce qu'ils vont forcément être ensemble. Ah, au sanctuaire de Quart de Brume. D'accord. Ok. Ah ouais, ça fait pas longtemps qu'on m'a ouvert les portes, du coup, je suis pas trop habitué. Van extrême des 4. Ah, Cinzar, il veut me voir. Ok, tiers, Adalken, tout ça parce que c'est Timmy. Non, Banger, je pense que c'est pas mal. En fait, j'hésite quand même à la mettre en épique parce que je sais pas, il y a quelque chose qui. Non, je la laisse en Banger. Il y a quoi en Banger déjà? Ouais, c'est bien en Banger. Il y a quand même des bons trucs, quoi. C'est pas de la merde, quoi. C'est ce que je veux dire. Ok, Amber Bay. Complètement dans le désordre, ma liste. Ah oui, c'est ça, là, avec les cuivres, là. Ouais, c'est ça. Ah non, je confondais avec la musique char. Bon, elle fait un peu de char aussi, celle-là. Hein. Elle est cool quoi. Quoi ici là? Quelques petits. Je crois que je l'avais jamais écouté jusque là, pour être tout à fait honnête. Ouais, cool hein. Pas plus haut quoi, ça c'est sûr. Ah, t'aurais voulu mieux pour l'archipel hein. Oh, elle est... Ça va, elle est honnête, quoi. Elle est honnête. Dragon Vigil. Quel accent. Ouais, ça monte quand même un peu, là. Ça fait un peu de char, comme son. Ah, vibe, Seigneur des Anneaux. Ouais, il y a un petit... D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit, je crois, c'est pas mal le titre du... En première partie, là. Il y a beaucoup de thèmes, ça fait penser au Seigneur des Anneaux. Ah, c'est le... C'est celui où on... Attends... C'est l'instance où on doit protéger Oren qui vient de naître là avec Lazarus là, c'est ça? Lazarus, je comprends. c'est cette musique là là. Moi je joue avec la musique du jeu, Fierès. Ouais. Le son est bas mais. Thank you.
Bon. C'est pas banger non plus, hein, on va pas... Elle est cool, je pense. Ouais, elle est cool. Je pense. Qu'est-ce qu'on a après ? Oren, ah bah très bien. Ouais, il y a quelque chose quand même, hein. Il y a une vibe sur le thème d'Oren. Hein. C'est vrai, Assassin's Creed premier du nom. Ah, alors là, je te fais confiance parce que je connais quelques musiques d'Assassin's Creed, mais du 2, je crois. Surtout du 2. Mais je vois ce que tu veux dire. Un peu. Je sais pas, peut-être un peu oriental. Regarde ce que j'ai mis en épique là. Banger. Ouais, c'est ça. Oriental mélancolique chill. C'est exactement ça. C'est du bon. Je crois qu'en plus on l'entend souvent en jeu celui-là, mais en même temps Oren. C'est-à-dire qu'on la voit beaucoup quoi. Demi-stem. Tiens, je l'ai pas dans cette liste. C'est ça le titre que j'ai en plus. Demi-stem. Demi-stem. Ouais, c'est marrant que ce soit pas dans la... Alors c'est en vidéo, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, en plus il dure une minute. En soi, on va passer à la suivante. Hein. Encounter with the White Mantle. You know? On se prépare pour un petit combat là. Assez court aussi celui-là, 1 minute 25. Ouais, c'est cool. C'est entraînant, quoi. C'est Lac d'Oric, ça, non? C'est saison 3, Lac d'Oric. Oui, c'est ça. Allez. Vous me dites si vous entendez trop fort, hein. Si vous, ou si vous entendez pas assez. Ouais, c'est que surtout. À partir de ce moment-là, en fait, ça devient bon. Très bon. Avant, c'est un peu. Osef.
Ouais, Banger. Je pense Banger, c'est pas mal. Banger, c'est pas mal. Ouais, les cœurs, là. Bah, il y a des cœurs, voilà. Quand il y a des cœurs, forcément. Cœur plus tambour, ouais, ça marche bien. Ah mais je vous jure, les cœurs et les tambours, ça... Je trouve que ça transcende une musique. Je vais arrêter de l'écouter, sinon je risque de la passer en épique. Allez. La furie solaire. C'est où ça? C'est dans... C'est mon Draconis ça aussi? Solar Fury? Parce qu'après mon Draconis c'est quoi? C'est or hein. Logiquement non, c'est ça hein. J'en ai mis une avec ce genre de son sur ton Discord. Oui, j'ai vu que tu m'avais... J'ai vu que tu m'avais poule. J'ai oublié de te répondre, mais j'ai vu que tu m'avais poule avec ton cœur et tes tambours de guerre, là. Ah, ok. Elle me fait pas grand-chose, hein, ça, là, je vous avoue. Je vais la mettre en ok. Voilà. Et il reste celle-là. Elle est pas très grande, hein, l'OST de la saison 3. Le Diaphonus Diffraction Randomizer. Qu'est-ce que c'est que ce truc déjà? Je me souviens même plus. Un appareil Azure, hein, ça. Ah, c'est le... C'est le gros appareil de Taimi, là, c'est ça, non? Que Balthazar, il... Il chope. Quand tu dis tambour de guerre, je pense à Pocahontas. Ah oui, voilà, Pocahontas, ça... Ça fait longtemps, Pocahontas, là, je me souviens même plus des musiques. Ah, c'est fractal, ça? Ah, c'est dans les fractales, le Diaphonus Diffraction Randomizer? 98ème, voilà, quelle précision, H. je pense que je vais la mettre comme l'autre en roquetière. Elle me fait pas grand-chose en mon moi intérieur, vous voyez. Alors, Pass of Fire. Je crois que Delkens, il avait kiffé. Je sais pas s'il va y avoir du légendaire là-dedans. Je crois que l'OST de Pass of Fire... De Pocahontas, j'allais dire. L'OST de Pass of Fire, c'est pas une OST qui m'a énormément transcendé. Pas autant que celle de HOT, en tout cas. On va essayer de se rappeler. Même s'il y a des très bons titres, mais... Ah, ta bio préférée, d'accord. Bon, on va voir. On a l'occasion de la réécouter, là. Il y a quelques thèmes, en tout cas, que j'adore. J'en vois déjà dans la liste, là. Mais est-ce que c'est... Du légendaire, par contre, je sais pas. 100% strike. Hein. Le thème, comme ça, chill, là, en tout cas, j'aime bien. La petite vibe désert. Je la mets en quoi? Je la mets en cool. C'est pas vraiment un banger non plus, quoi. Quoi qu'après, je crois que ça décolle, là, non? Ah si, je crois que ça décolle après, là.
si c'est bon quand même, hein. Allez, on passe à la suivante. Très bien au manga. Ouais, ça met du temps à venir, mais ça vaut le coup, effectivement, t'as bien raison. Faut pas aller passer trop vite, quoi. Un nouveau voyage. Celle-ci, elle décolle pas, je crois. Hein. Attendez, j'avance un peu. Je vais la mettre en hoquet tiers avec les autres musiques chill. Un peu du même acabit final là. Rompis sur 20. Allez. Je crois qu'elle est pas mal celle-là. Elle reprend un peu la vibe de la première, mais elle décolle vite. Alors c'est pas le même extrait que le premier? Attendez. Ah, c'est Origin. Ah c'est vrai que c'est un peu le Origin, c'est ce qui se passe en Égypte, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et c'est pas la même musique qu'on a entendue à la fin de Pass of Fire. Attendez, juste je remets ça là. Ah oui, c'est ça, c'est le même. C'est juste que là, on est direct dans le. Bah, je vais la mettre avec l'autre, hein, du coup, là. Fort logiquement, hein. Voilà. Un peu la même musique, quoi. Pff, qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer. Ça fait un peu Goa'uld, là. Ah ouais, ça fait un peu orc. T'as raison. Et de la percussion, hein, quand même. Macklin Jammer et Wilbert Rodgett. J'ai la première fois que je vois son nom. Ah, mais il est. Ah oui, ok. Banger celle-là, voire au-dessus. Épique, ah ouais. Je pense banger. Je pense banger. Putain, ça me fait trop penser à Stargate, c'est dingue. Je crois qu'il y a un thème de Stargate, il est pareil. Avec les Goa'uld et tout là. Mais il y a du cœur et des... Et des tambours, hein, ça va. Ouais. Bouddha. Ah, Banker, c'est bien, Banker. Et là, Gorgan, il a dit Banker. Les Goa'uld sont derrière toi. Avec leurs yeux jaunes, là. C'est pas moi, monsieur. Les reins du raptor. Non, ça va pas être ça, la traduction. Allez, comment on juge les reins du raptor? Dans ton cœur, c'est épique. Qui veut un coup de rein de raptor là? Euh...
En même temps, je dis ça fait penser à Stargate, mais en même temps, Stargate, il y a une grosse vibe aussi Égypte, avec les dieux égyptiens, un peu comme Assassin's Creed, quoi. Ah, je te donne une idée pour la suite du compte. Des reins de raptor. Ah, ça devient crade. ok, bon, allez, le raptor, il va rentrer dans l'enclos. Ça décolle un peu ou pas après là? J'avance un peu. On fera sans raptor. Bon, je laisse en ok. Le thème est sympa, mais celui-là, je crois, est sympa. Destiny's Gorge, ça me dit quelque chose. Et je crois qu'il est un peu long à partir aussi. Codal Kent, c'est encore frais dans ta tête, ça. Toi qui as fait pof il y a pas longtemps. Il me semble qu'il est sympa, celui-là. En tout cas, je l'ai utilisé dans une vidéo, c'est sûr. Pas la voix de Joko. Il prend son temps, hein, le thème. Hein. Faut pas le presser, hein. De toute façon. Je le mettrais bien en cool, celui-là. Joko. Ouais, cool, hein. Il est cool. J'irais pas jusqu'à dire banger, mais il est cool. Allez, Elona Rich. 4 minutes, Elona Rich, quand même. Il semble que celui-ci est plutôt cool aussi, de mémoire. Chill, quoi. La meilleure musique de l'Oasis. Je me souviens même plus que c'est sur l'Oasis, j'aurais dit le BF d'Elona, soldat, mais... T'as peut-être raison. Je pense qu'elle va rejoindre les gorges de la destinée là. Je vais la mettre en cool. Ouais, on va rester là-dessus sur Elona Rich, c'est pas mal. Allez. Forgé dans le feu. Thème sombre. Désespérant. Bon, désespérant, ce sera après.
March and Fire, c'est une émission ? Ça me dit rien. Je regarde plus la télé. Ok, j'avance un peu pour voir. Mais ok. Je vais le mettre là. Parce que... J'ai fait une petite ambiance oppressante, mais bon, c'est... je veux pas écouter ça dans ma voiture, quoi, vous voyez. Ah, celui-là. Celui-là, je le kiffe, par contre. Bien celui-là. Celui-là, ce titre, il a vraiment une vibe désertique, je trouve. Égypte, vous voyez. Une espèce de flûte, je sais pas c'est quoi comme instrument, on dirait une flûte de pan. Une flûte de pan, ça ? Je suis nul en musique, hein, en instrument, mais... Ouais, ça, ça fait vraiment Égypte, quoi. Je joue à Talos Principal 2 en ce moment, et ça commence en Égypte. C'est le, exactement le même délire, hein, la musique. Elle est juste chill, quoi. Elle décolle pas, mais... J'aime bien. Donc je la mettrai pas non plus... Mais je vais la mettre en... Ouais, elle sera en cool, quoi. Pas non plus un banger, quoi. Vous voyez, c'est... C'est juste... voilà, elle est cool. Elle est vraiment cool, je trouve, celle-là. Ah, ça réveille un peu, là. Sable du chaos. Ouais, c'est, bah c'est exactement ça, H. En plus, c'est la vision qu'on a dans Talos Principle 2. Avec la pyramide en arrière-plan, là. Et là, avec cette musique, tu te fais courser par des cobras, et les... des goa'uld, par Balthazar. Je crois qu'on l'entend souvent cette chanson, c'est moi non ? Où est-ce que je mets ça moi ? Ah oui, pour les primes ? Ah oui, t'as raison, Ibaron. Bon, elle est cool, quoi. Elle est cool, hein. Ça me transcende pas non plus, outre mesure. Bah, disons qu'il n'y a pas de cœur, quoi. T'as manque de cœur. Je sais pas, je me sens... Pas nul, quoi, mais... Je la mets ok, je sais pas trop quoi en faire. C'est entraînant quoi, mais vous voyez, c'est pas... C'est une du désespoir. Ok, non, pareil. On va forcément s'amuser là. Bonne nuit. Repose-toi bien. Ok, alors celle-là... Attendez, j'avance un peu pour savoir si elle décolle un peu. Ah,
Allez, claquer à nous là. Elle était malade là, c'est toujours pas remis, je crois. Bon, je la mets au quartier avec le chill quoi. Je pense que ça va pas plus haut qu'au quartier hein. Ou en mai. Qu'est-ce qu'il y a en mai déjà? Fun Times. Ouais. Salut Evie Noise. Ouais, je passe pas souvent en live. Hein. Surtout avec les vacances là. C'est ma vie sur Anneau là. Il fallait bien que je continue cette tier list. En mai, il y a des gens failles. Merci Dalkent. Cette intervention. Les sables du temps. Prince of Persia, ah ouais, ça pareil, ouais, c'est vrai que c'est un peu dans le thème aussi. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui sort, je crois, Prince of Persia, là. Qui va sortir. Ah, c'est la musique des courses, ça. C'est la musique d'attente dans les streams d'Annette. Ah ouais. Ah mais d'accord. Ah ouais, je crois qu'ils ont utilisé aussi utilisé cette musique pour une de leurs vidéos, je crois, il me semble. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Bon, pas vous dire quelle vidéo, mais... Ah, c'était pas aussi, H, une musique pour le festival qui avait été utilisée pour une des vidéos les années d'avant, là. Genre, c'est qui avait fait la vidéo d'avant C'était quoi ça, en 2018, je crois. Justement, j'avais regardé la vidéo pour pouvoir faire ça le mois de 2023. Et je crois que c'était cette musique-là, le début. Lazerus qui avait fait la vidéo. Bon, je la mets en... Elle est où? Je la mets en hockey tiers. Mets les deux sables ensemble. Ou en cool. Bon, je l'aime en cool. Vraiment cool. Allez hop. Je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais les hautes terres, quoi. Cette musique, je l'ai jamais vraiment écoutée d'ailleurs. Merci Evinoise, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, bon, celle-là, désolé. Je la mets là. Voilà. J'aime pas du tout. Hop. Oui, point d'exclamation joué. Effectivement. Si vous voulez participer pour les gemmes. Épique. Ah oui, j'avoue, j'ai les poils qui se hérissent là. Les cœurs, les tambours.
À quel moment ça? Attends, si je retrace là, on est après les hautes terres du désert. C'est pas le moment où il nous déglingue. Ah c'est ça. C'est quand on se fait déchirer le fondement. En plus, c'est vrai qu'il y a plusieurs phases dans la chanson, et Dieu sait que j'adore les chansons avec plusieurs phases. Donc effectivement, je vais la mettre en épique parce qu'elle m'a fait frissonner. J'ai les poils là qui sont un peu hérissés. Je l'avais jamais écouté en entier en fait, celle-là. Hein. Allez, ok, épique. Je crois qu'elle a un peu mieux, quoi. Tu vois. Je sais même plus c'était laquelle qui était en manga. C'est Army of the Warcode, c'est ça? Elle est juste en dessous. Regarde. Ce sont des petits clins d'œil. Ouais. Hey. Ah, retour aux hautes terres. Le Kral. Ouais, ok. Là, si elle se réveille un peu la chanson après, là. Ok, tiens. Ou mais. Ok, tiens. Un peu chill, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, H? Ouais, je la mets là, ok, tiens. Ah, après, on va... Attention. On va aller dans une... On va mettre une vidéo de Rising Sun Gaming, hein, attention. Ah non, c'est pas celle-là. Je sais plus. Non, c'est pas ça qui mettait Rising. Ah non, c'est peut-être la vidéo de HOT, je confonds peut-être. C'est peut-être... Ah, je confonds de musique, c'est pas celle-là. Ça, c'est la musique des Shoya, ça. Bon, elle est rigolote, quoi. Mais je la passerai pas dans ma voiture non plus, quoi. La danse des Shoya. Des Shoya. Quand on est... C'est dans les hautes terres, hein, les Shoya, oui. En bas, là, de la carte, là. Ouais, je la mets ok. Parce qu'elle est rigolote, quoi. Je crois que c'est que ça pendant tout le thème. Allez, les veines du dragon. Quand il va faire sa prise de sang, je crois qu'il y a cette musique. Tu mets cette musique quand tu vas au labo. Tu travailles dans quoi, H? Je sais même pas si tu m'as déjà dit. Elle monte à la fin, celle-ci? Ah. Les veines du dragon. Ah oui, je vois quand elle monte. Ok, je me rappelle. Là, il y a vraiment une vibe Seigneur des Anneaux, là. Je trouve. Je suis professionnel de non-santé, c'est vrai.
Ah, je crois qu'il travaillait dans un labo là, comme ça même. Ouais, Oh, je la mets. Juste pour la petite vibe Seigneur des Anneaux, je la mets très bien cool. Mais je la mets en ok. Serviteur de Kralka. Je vois que c'est souvent Wilbert Roget qui fait les thèmes un peu explosifs. Hein. Ouais, pareil pour Army of the War God. Il a son style, quoi, le monsieur. Tambour, donc bien. Ah, j'hésite. J'hésite entre cool et banger. Après, je vais la mettre en cool parce qu'il n'y a pas de cœur. Je trouve que ça, elle est moins vibrante que celle du dessus. Ouais, cool. Elle est pas mal, ouais. Il manque juste un truc pour faire vibrer, quoi. Pour faire dresser les poils. L'ombre du prophète. Qu'est-ce que c'est que ce donc? Je crois que ça, c'est un thème un peu de... C'est un thème d'ambiance, j'ai l'impression. Oh. Ouais, ah ouais, ça là, c'est plus un thème d'ambiance, hein, je crois. Ouais, ok. Ah, celui-là, il est cool, je crois. Là, j'aime bien. Ouais, j'adore aussi celle-là. Ouais, elle est pas joyeuse en tout cas celle-là, ouais. C'est clair que la mélancolie elle est... C'est clair qu'elle est trop triste quoi. Mais là, après là. Juste après là, ce qui va se passer après c'est juste incroyable je crois.
Ça me rend tout chose là. Je sais pas. Ça me fait hérisser les poils. C'est pas épique dans le sens épique grandiose, mais elle est ouf. Je trouve cette musique. Elle est ouf. J'imite les larmes qui montaient aux yeux, quoi. Vous voyez? Ouais, c'est. C'est ouf. Alors là, c'est un autre délire, là, par contre. Là, c'est un autre délire. Le cible marqué. Cible verrouillée. Je crois que c'est... Ouais, ça doit être la musique, logiquement, dans l'instance, je dirais, avec les fantômes des anciens rois primitifs, là. Mais c'est vrai que j'ai pas refait l'instance depuis très longtemps. J'ai pas refait POF, en fait. Je l'ai fait une fois et je l'ai commencé à le faire une deuxième fois, mais j'ai pas été au bout. Du coup, je sais plus vraiment. C'est peut-être juste en open world, quand on va dans le tombeau, je sais pas. Ok. Ça là me transcende pas plus que ça, hein, je vous avoue. Je vais le mettre en Ketcher. Un peu dans la même veine. Un peu dans la même veine. Le dragon. Allez. Sur les rives de l'Elon. Ah ouais, Farnur. Ah bah oui, le tombeau, c'est dans les hauteurs, oui. Oh, la hache sans la hache. Ouais, celle-ci est cool. Du coup, elle va sûrement finir dans cool, d'ailleurs. Ouais, ça va pas plus haut, je pense. C'est pas banger non plus, quoi. Allez. Ascension ravagée. Je sais pas pourquoi je traduis les titres, hein, mais... ok, bah écoute, celle-là, je vais la mettre... Ok, tiers, je pense. Elle a une petite vibe... sympa. Mais c'est plus une musique de transition, j'ai l'impression. Ok. Desert Skimming, c'est le... L'arrêt, là. Comment ça s'appelle? Le vol d'écume, non? Je suis pas trop fan de ce type de son. Je le mets en mai. Je suis pas hyper fan. Ouais, je crois que ça reste comme ça la musique. Hein. J'avance un peu. Ok. Bah, je vais la mettre avec les autres musiques chill qui sont ici, là, dans le hoquet tiers. Voilà, elle a tout à fait sa place. La marche des éveillés.
Je me souviens d'avoir déjà utilisé cette musique. Je crois qu'elle est un peu dans ce style-là tout le long, non? J'avance, hein. Ouais. Bon, écoutez. Je vais la mettre là. Voilà. Je sais pas comment on traduit ça. Les Sulphurous West. C'est pareil, ça, je crois. Ça, c'est le truc de la désolation. Ça va être comme ça tout le temps, là. Ouais. Allez, hop. Tu vas rejoindre tes copains. Ici. Comment ça va être... Faut que je scrolle, là, maintenant, pour atteindre les... Hop, allez. Désolation sulfureuse. Ah, peut-être, ouais. Rencontre mortelle. Les déchets sulfureux. Ouais, c'est plus des déchets, tu me diras, ouais, je crois. Waste. Gâchine, les déchets. Il y a des gens qui tapent dans leurs mains, là. Ouais, le... C'est le prime, ça? Je suis pas un grand fan, hein. Hop, ça bouge, mais je suis pas un grand fan. Les mâchoires du cœur fracturé. Je crois qu'elle décolle pas vraiment, celle-là, c'est un peu le... En français, c'est désert sulfureux, la zone 1. D'accord. Mon cœur a des dents. Eh. Je mettrai au quai tiers. Bon, je crois que je vais le mettre en mai. Elle me fait pas grand chose la musique là. Plus que celle-là là. Les déchets là. Mais En plus ça me rappelle la désolation et la désolation. J'aime pas la désolation. Que ce soit Guild Wars 1 ou Guild Wars 2, j'aime pas cette zone. C'est jaune là. Pfff. Les sables du djinn. Stan le parle de le regretter. C'est désolant, ouais, exactement. Exactement. On souffre. Vous l'avez ? Vous l'avez, j'espère. Moi, j'ai de la neige sur mon jean. Ah, c'est pas le même cadre, hein. Ah, les flocons sont pas tout à fait pareils, quoi. Ouais, Ouais, je vais la mettre en mai. Je suis pas très fan non plus. Je sais pas, Je sais pas. Ah, allez. On reste dans les désolations, là, parce qu'on adore ça. Ah, merci. Vous l'avez. Qu'est-ce qu'on fait des vétérans, alors? Allez, je finis la saison 4, après on va faire le tirage au sort. Qu'est-ce que j'en fais sérieusement?
Il y a quand même un peu plus de mélodie que celle qui est en dessous, là. Peut-être en... Ouais, peut-être en hoquet tiers, là, pour le petit violon. Il y a un petit côté, ouais, je pense qu'elle est quand même supérieure à celles qui sont là. J'ai pas envie de la mettre en mai, elle est quand même pas mal. C'est juste qu'elle... Voilà, ok, quoi. Allez, ok, c'est parti. Ouf. J'étais pas prêt, là. Joko. Il y a des percussions, il y a des chœurs. Il y a un peu les poils qui se... Un petit peu. Putain, mais j'ai l'impression d'être devant Stargate, ben c'est dingue. Ah, j'hésite là, hein. C'est pas plus haut, ça? Ouais, est-ce que je la laisse en banger? Ou je la mets en épique? Non, en banger. Je suis pas très fan de cette partie-là, par exemple. Épique! Putain, franchement, j'hésite quand même, hein. Mais c'est... Je l'aime en épique quand même. Ah, le thème de... C'est le thème de... un peu le thème de Joko, quoi. Enfin, les... Même s'il y a des parties dans la musique que je... vers la fin, je l'aime moins. Le début, là, il est... Il est vibrant, là. J'avais les poils qui commencent... Dirge. Je sais même pas comment on traduit ça. Du roi père. Pff, ouais, on va pas le traduire celui-là. Qu'est-ce que c'est que celui-là déjà? Ouais, pas grand-chose hein, pour le moment. Moi que ça se réveille à un moment donné là. Ouais, vite fait. Ouais, ce sera du mai, je pense. Hein. Du mai, voire du what the fuck. Ou fin du Brahms, là. Ouais, non, mais il y a un petit peu de mélodie. Allez, All of the Undead, c'est pas la même que... Ah, celle-ci, ok, je me rappelle de celle-là. En funèbre, d'accord. Merci. Je crois qu'elle est cool, quoi. Je crois qu'elle est cool, celle-là. Il y a un moment que j'aime bien dans ce... Enfin, le... Un son un peu... je sais pas quoi. Voilà, ce son-là, là. Ça, c'est quoi comme instrument, ça? Ça fait vraiment... oriental, quoi, vous voyez? Bon, elle est cool, quoi. Voilà, je la trouve cool. Allez, suivant.
Wilbert Rodgett, il est dans toutes les chansons un peu remuantes. Hein. Le Zurna? Ah, je connais pas du tout le nom. Je vais la mettre en cool, hein. Elle me fait penser à Minions of Krakatorik un peu. Elle me transcende pas, quoi. Allez, suivant. Ascent, Legendary Ascent. C'est pas parce qu'il y a Legendary dans le nom que je vais la mettre en Legendary. Hein. On est d'accord? J'ai jamais écouté jusque là, en plus là. Ah, pas mal, hein. Pas mal d'Alkent. Non, mais. Voir what the fuck, sérieux. Non, je vais la mettre en what the fuck. Je suis vraiment pas fan. L'opulence de Vabi. L'opulence de Baby. L'opulence de Babylone. La fameuse opulence. C'est vrai qu'elle savait. Ouais, ça fait un peu penser. Bah, c'est vrai que c'est Vabi, quoi. Le côté un peu. Je sais pas, un peu riche, peut-être. Peut-être plus cool que OK, ça là. Je sais pas. Oh, elle est cool. Parce qu'il en reste des jardins de Séborin, Séborine, je sais pas comment vous le dites. Allez. Forsaken Nobility. Je vais mettre en cool, celle-là, elle est pas mal, hein, je crois, quand même. Ça fait un peu fin de... Fin d'aventure. La fin de la guerre. C'est le dernier fight, ça, non? Ah, il m'en reste 3 après.
Non. Non, loin de là, ouais. Non, je pense qu'elle va bien avec celle-ci au final. Je la trouve quand même moins bien que Hunters of Aragorn. Même si c'est un peu le même, la même vibe. Alors j'ai mis Pass of Fire Launch Trailer. Mordre Mat, c'est incroyable ce thème. Peut-être mon préféré hein, de tout Guild Wars 2. J'aurais dû faire un tiers Mordre Mat d'ailleurs. Oui, je me souviens, celle-là, j'ai déjà utilisé cette musique. Il va être au moins là, celui-là. Je le mets en épique. Il me transcende là. Je suis transcendé, ça y est, c'est trop tard. Trop tard. La qualité du son est pas... Il y a deux sons derrière ou quoi? Je vais la mettre en banger. Là on est... c'est la qualité du son là qui est pas fofolle mais... alors saison 4, saison 4, saison 4. Saison 4. Hop. C'est parti, est-ce que j'ai tout? Épisode 1, Daybreak. Let's go. Je crois que musicalement, là, on va être pas mal. De vrai, je crois. Attends, il y a tout ça? Il y a 40 titres? Bon, je sais pas si on finira la saison 4 ce soir, on verra. Merci Delkent. Repose-toi bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Allez. Le son est plus fort, non ?
Je le mets en cool. Il y a beaucoup de thèmes qui ont cette, la même vibe, hein, je trouve. Hein. Ah, si c'est la vibe Joko, la vibe Balthazar. Hein. Ah, en parlant de Joko. Au moins banger, hein. Je pense que je vais le laisser en banger, j'hésite à le mettre plus haut mais... Non, banger, c'est bien. Ouais, il y a une vibe, ouais, c'est Joko quoi. Où est soit son nom. L'Enquestin. Ah, on les adore l'Enquestin. C'est vrai que les Azura, autant dans les tout débuts du jeu, leur musique était vraiment lambda, autant après ça s'améliore quand même. Celle-là... Je la mets où? Je la mets en cool. Ok. Elle reste quand même assez cool hein, en vrai, mais... Ça fait un peu générique de série télé là, série policière. Non, allez, en cool, allez, cool. Il va pas y avoir beaucoup de déchets, j'ai l'impression, dans cette saison. Amala. Amala quoi? La grande prêtresse. Je sais pas si c'est la musique de la fractale ou de la musique Amala en... Non, dans l'histoire peut-être. Ah, mal à la cheville, ouais, exactement. Bon, elle est cool. Allez, go. Ok. Pas dans celle-là après, je sais plus. Je la mets là. Ah oui, mais il y a les musiques des raids là. C'est les musiques des raids, ça, je crois, non? Winter's Vigil, River of Souls, Desmina Reclamation là. Le Hall du Jugement. Ah, on est bien là. On est chez Doom quoi.
Celle-ci, c'est comme un peu comme les autres, c'est une musique d'ambiance, quoi. Une bonne musique d'ambiance, au demeurant, mais bon. C'est un peu le même niveau que celle qu'on est là, donc je vais la mettre en bas. Hein. C'est pas vraiment une musique, quoi. C'est... Ouais, c'est ça, la Wing 5, ouais, c'est ça. Ouais, tout... En fait, tout... C'est l'aile de raid de la saison 4, quoi, j'imagine, la Wing 5. Parce que j'ai pas... Il y a des musiques de l'aile 6 là-dedans? Ah oui, si, oui. La Forge Mystique, Kadim. L6, L7, du coup, j'imagine. T'as le nombre de thèmes dans cette saison, hein. Je sais pas si on va aller au bout, là. Desmina. Ouais, j'hésite à le monter là. Ou en banger. Elle dégage un peu la même vibe que celle-là, là. En plus, t'as du timer sur ce boss. Alors, je l'ai jamais fait. J'ai vu les lieux quand l'aile était vidée. Ouais, je le mets là. Je le mets en banger. On voit quand même du lourd, hein. Ah, River of Souls, bah ça va rejoindre Winter Vigil, hein. Vigil, je sais pas comment on dit. Hop. Ouais, c'est un peu ça, ok. Le Hall du Jugement. Je l'aime moins que Desmina, hein. La musique. Ouais, ok, on va laisser là. Ah, ça c'est moi au boulot, ça. Un bug dans le système, ça me ressemble bien. Salut Ayana, comment vas-tu? Oh là là, guide GW2.fr qui est très représenté ce soir. Ouais, ça va. On écoute des musiques. Hein. Je la mets où celle-là? Elle est cool quand même celle-là. Ouais, c'est... Sauf quand je dors. Bah, ça va. Attendez. Ah si, c'est là où il y a le... Ouais, ça fait un peu de James Bond. Mais là, c'est là où il y a Fear Not This Night. Je la mets pas en légendaire, mais en fait, il y a la version en entier qui est là. Je pense qu'elle a sa place, là. Carrément, hein. Allez, suivant. Ouais, à légendaire direct, tu la mettrais? Bah, le début, pas trop légendaire, mais par contre, la version Fear Not This Night, là, je crois qu'elle est en full Fear Not This Night. Et celle-ci, par contre... Pas spoiler, mais voilà.
Là, c'est le début de l'épisode, mais... Je sais plus c'est quoi la musique quand elle se fait... Je m'en rappelle plus. Banger minimum. Non mais Gorgon, tu dis ça parce que ce sont des chars. Je vois venir. Alors ça, c'est une musique que j'utilisais beaucoup dans mes vidéos où je parlais juste là, vous voyez. Pas des vidéos d'histoire, mais... Des vidéos où je faisais du blabla. Ça va. Vraiment cool. Ça va cool. Elle est cool. C'est pas de me soudoyer, Gorgon, hein. Allez, suivant. Ouais, donc là, on est... c'est quoi la carte déjà, là? Avec les Olmacans, là? Mince, à chaque fois, j'oublie le nom de cette carte. Les îles... de vent de sable, c'est ça, non? Les îles de vent de sable. Qui était une des... dans la saison 4, c'est pas la seule région inédite d'ailleurs, la saison 4, qui était pas dans Guild Wars 1, je veux dire. Parce qu'après, on a ouais, le donjon, on a, enfin, sauf la chute draconique, bien sûr, mais. Qui reprenait des endroits de Guild Wars 1, quelque part, mais. C'est le bureau d'Atis. celle-là, je vais la mettre. Non, ok. Ouais, je la mets dans OK. Toi. Alors ça, c'est MacGyver. Yo, Dom. Comment vas-tu? Ah, Dom, il rentre du sport, là. La réunion de Taimi. Où est-ce qu'on va ranger ça, la réunion de Taimi? Elle avance. On a fait la saison 3, Pass of Fire, et là on est dans la saison 4. Je vais la mettre en cool, la réunion de Taimi. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles légendaires. Même si celle-là, elle était pas loin, mais... Elle est pas mal, celle-là, en vrai. Hein, la réunion de Taimi, là. Non, cool. Cette île, c'est bien en beauté. Oh, dis donc. Entre nous, quand même. Ah, tu parles de ma liste. Allez, on va rester en cool. Ah, celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Elle est trop grande, la liste. Hein, c'est pas possible. Celle-là, elle est minimum là, je crois. Franchement, non, elle sera peut-être même là, en fait. Empoté, dis donc. Il est pas trop tard. Elle me fait vibrer, là. Je vais la laisser en épique. J'hésite avec Banger, mais je vais la laisser en épique. Je la laisse. High Roller! C'est la musique de quoi, ça? Non, en plus, j'allais dire, si quelqu'un me dit Guild Wars 2...
c'est compliqué de mettre des musiques douces en épique. Ouais, ouais, en épique, c'est vrai que c'est plus le frisson, quoi. J'aurais peut-être pu nommer le tiers poil qui se hérisse, tu vois. Comme j'ai mis la Tomb of the Primeval Kings en épique. Atis, si t'es sage, je peux ne pas te mettre dans la V2 2004 si tu glisses A Bug in the System encore plus haut. Regarde, elle est là, regarde. C'est la version, la vraie version de Bug in the System. mais franchement, j'y ai songé. Hein. Je la réécouterai à la fin avec celle-là, quand j'arriverai à celle-là. Bon, High Roller, je l'ai placé, c'est bon, ouais. Allez, go. La détermination de Bleach. Ah oui, Bleach, il a beaucoup de chansons, de titres quand même. Hein. Il en a 3, c'est ça? Cool. Il y a un bon air, quoi. Il y a un bon air, là. On va pas la descendre plus bas, celle-là, en vrai. Elle est pas incroyable, mais elle est cool, quoi. Ah oui, c'est fini, pardon, le giveaway. C'était tiré à... Désolé, Yana. Qu'il est énorme ce son en fait. Il est juste énorme ce son là. Bah, le perso, il est pas le mieux introduit. Il est original, tu vois, mais on n'a pas partagé énormément de choses avec lui, quoi. C'est ça, il n'apparaît qu'à cette saison-là, quoi. Après, il est bien traité dans la saison, mais ça, je pense que ça fait trop peu de temps qu'on le côtoie pour que, effectivement, il... Mais la musique, elle est incroyable, hein. Franchement, j'étais à deux doigts de la passer en légendaire, hein, pour vous dire... Ça par contre un peu moins. Que ce soit Gorik. Ouais mais Gorik c'est pareil, hein. J'ai pas une grosse appétence pour le personnage. Je préfère largement Tiny quoi. Il est rigolo Gorik tu vois, mais ouais il... C'est vrai que... Son apport n'est pas incroyable. T'as fait un bowling avec Bleach. Tu me nargues avec tes légendaires. Bon allez, celui-là je laisse là. Je suis pas très fan. Ah, tambour. C'est pas ce que ça veut dire.
Bah dans EOD, ouais, il est plus intéressant. Il est plus intéressant d'AOD, mais 5 avant, tout ce qui est saison 4, pour son introduction, et saison 5, c'est vrai que il m'a pas trop marqué à ce moment-là. Heureusement qu'ils l'ont mis plus en avant dans EOD et dans la fin d'EOD, quoi. Ah oui. Moi, je mets ça dans Rocketeer. La victoire de Joko. Toi, entre guillemets, hein. La victoire entre guillemets. Il se passe quelque chose dans cette chanson, dans cette musique ? Non. Et bah, ça va avec les autres du même style. Voilà. Explorer, voilà, la Deep Stone. La pierre profonde. Tu sais quoi ça ? La Deep Stone ? C'est quoi la Deep Stone ? On est toujours dans l'épisode 3, là, c'est ça ? Oui. C'est l'épisode 3 où Joko il se fait bouffer du coup, hein, c'est ça, hein. L'épisode 3 c'est à... Korna ? Oui c'est à Korna. Épisode 1 Istan, épisode 2 Vent de Sable, épisode 3 Korna, épisode 4 Jahai, 5 Chef Tonnerre, et 6 Chute Draconique, c'est ça. Gloire à Joko, loué soit Joko, effectivement. Bon, celle-là, elle va rejoindre d'autres, hein, c'est un peu le même style. Ok, tiers. Watch your step. Alors, ça va aller où ça? Donc là, on va approcher des bangers, hein. Elles sont pas loin les bangers là. Ouais, je vais la laisser en Rocketeer, celle-là aussi. C'est un peu le même, même délire en fait, hein, avec celle d'avant. Ok. Ah, ça c'est incroyable ça, ce teaser. T'es mis dedans ? Ah oui, c'est ça, épisode 4, A Star to Gadaeus, celui-là. Ah, c'est la fractale Roche des Abysses. Ah oui, t'as raison. Roche des Abysses, Deep Stone. C'est ça, bien joué. Là, c'est épique, ça. C'est épique. Évidemment que j'ai raison. Il n'y a même pas besoin de cœur là. Allez, le destin d'Oren. Ah, c'est pas là où elle a des visions, là ? Où elle, elle se voit en boucle mourir, là ? Ah oui.
Le cœur humain. Ça s'envoie quand même, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Où tu vois en boucle... Je crois que c'est dans cet épisode-là, ouais. C'est celui qui précède la bataille... Comme ils ont orthographié... Bleach Sacrifice. C'est pas le même thème que Bleach Sorrow. Attendez, juste j'écoute le début. Mais c'est ça, c'est une autre version en fait. Épique celle-là, là, tu veux dire? Alors, Ren's Fate, ouais, c'est épique, minimum. L'autre, je l'ai mis là, Bleach Sorrows. Hop, c'est un peu le même truc. Est-ce que ce serait pas le même... Déjà que j'avais hésité à le mettre en légendaire. Là, comme ça, je préfère quand même la version Sorrow, mais... Putain, il est puissant, ce thème, quand même. Après, je préfère quand même la version... là. Quoique... Non, je vais la laisser avec l'autre. C'est le même thème après tout, hein. C'est juste un arrangement différent, mais... Pas épique. Je sais pas, ouais, il me... Je réécoute juste l'autre, là. Cette version-là, vite fait. Attendez, j'avance un peu. Celui-là est quand même plus puissant. Alors, je le mets en banger celui-là. Je préfère vraiment cet arrangement-là à l'autre. Bon, allez, on passe au suivant là, parce que sinon je vais passer ma soirée à l'écouter. Échapper au... Destructeur, comme ça qu'il s'appelle, je crois. Ouais, alors... Commence à être bien rempli la tier list, hein. Alors, lui, on le met où, lui? Ah, c'est la musique méta-événement, je crois, non? Ouais... C'est ok, quoi. C'est ok. J'avance un peu. Voilà, une visualisation de H après manger. C'est un peu varié, tu vois, il y a un peu d'ingrédients dans tous les sens, là. Laquelle, ça? Ah, le retour de Ear. Elle est toujours de retour, Ear, au bout d'un moment, quand même. En fantôme, on l'a plus vu que le personnage vivant, quand même. C'est dingue. Ouais, bon, après, le thème dure 30 secondes. Voilà. Hop. Zafira, qui se souvient de Zafira? Qui se souvient de Zafira? Sérieusement,
Un perso qui a été un peu délaissé, Zafira. J'ai l'impression qu'elle était un peu délaissée, moi. C'est ok. C'est ok. Ouais, c'est ça, c'est la prêtresse de Balthazar. Moi, j'avais trouvé sympa la mission, là, où elle était en mode snipeuse. On ne savait pas qui c'était et tout. Mais je sais pas, après, j'ai l'impression que le personnage, il était un peu oublié, quoi. Là, on n'entend plus du tout parler, quoi. La prophétie. La prophétie... Est-ce qu'elle est cool, la prophétie? Ouais, elle est sympa quand même, comme musique. Dev, comment ça? Moi, je vais laisser là. Ah, celle-là, elle est... Ah oui, je vois de quoi tu parles, Moracle. Ouais, la championne de Vana. Dans Pass of Fire. Bon, ça c'est du raid. Et ça c'est épique quand même. Alors que j'aime pas le début, hein, le tout début. J'aime pas trop les premières notes. Donc j'avais longtemps passé cette chanson. Et pourtant, il y a ça, quoi. Ouais, dans le raid. C'est quelle aile, ça? 6? Jumeaux. Okay. Le thème là, je le trouve dingue, alors que je joue pas raid, tu vois. Donc j'ai peut-être moins l'habitude que vous de l'entendre, mais je le trouve dingue. Enfin, vraiment unique, quoi. Original. Et il me fait vibrer, voilà. Elle est trop bien, exactement. Trop bien cette musique, quoi. Donc épique. Allez, suivant. La forge mystique. Elle 6, hein, aussi, si je dis pas de bêtises. Ce serait ok, celle-là. C'est quoi, c'est les premiers boss, Larus? Pour la 6? Non, c'est pas le premier boss. Je la mets en cool. Elle est quand même cool. Elle est plutôt joyeuse, elle est plutôt entraînante là. Kadim. Qu'est-ce qu'il vaut, Kadim? En tant que musique, bien sûr. Est-ce que c'est un ok tiers, Kadim? Ah, c'est le second, ok.
premier, c'est la... C'est une nana, là, non? Je crois que j'avais... On m'avait emmené sur l'L6 et j'avais testé un boss, mais je me souviens plus du nom. Non, c'est pas une nana. Non, pas. Alors c'est pas la statue. C'est dans quelle aile alors que j'ai fait ça? Qui finit en A, je crois. Non, c'est pas. Je me souviens d'une zone où il fallait sauter là. Non, c'était un thème un peu. Pass of Fire, enfin vous voyez, un peu Elona là. Il fallait sauter de. Il y avait une espèce de plateforme là et. Adina, voilà, c'est ça. Ah, c'est 7 ça? Ah, d'accord, pardon. Pas pour moi. On m'avait emmené juste pour faire Adina. Voilà. Un newbie en raid. Ok, Kadim, ok, tiens. Escapes. Ah, c'est Diana Jones un peu dans le. Ah, peut-être Harry Potter un peu. Alors, où est-ce qu'on va le mettre lui? Sabir. Alors, je sais plus. Oh, je me souviens plus du nom. Il me semblait que c'était une nana, ouais. Peut-être Sabir, hein, t'as raison. Je ne sais plus. Voilà, c'était un truc comme ça. J'ai juste la vision de plateforme un peu circulaire. Et il fallait prendre des courants pour sauter. Ah, c'est tout, Kadim Escape. Bon, je vais le mettre en merde. Une plateforme de sable et de rocher en forme hexagonale. Ah, je me souviens même plus en fait. Ça remonte, hein. Ça fait un an ou deux, je crois. Comme je l'ai parfait. Racing Beatles. Ouais. C'est ok, tiens, hein, Racing Beatles. Voire mère d'ailleurs. Non, je vais mettre en B. C'est pas plus. Pas si bien quoi. Alors ça c'est la même que Prophétie mais Yo Aseda, merci, welcome. Comment vas-tu? T'es en live là? On parlait de raid en plus. Ça va te parler ça. Je crois que c'est un peu la même version que l'autre. Ouais, je vais la mettre là avec l'autre, hein, je pense. C'est la même. Ah oui, un raid. Un raider qui raid. Bouclé. Ouais, ça va, merci. Toi. On arrive sur du lourd là. On arrive sur du lourd. Hein. Ouais, la prophétie, on va la mettre là. Déjà rien que là. La prochaine. C'était celle-là dont tu parles, Gorgan. Je sais pas où la mettre parce qu'elle est vraiment particulière, celle-là, mais... Est-ce que c'est épique? Est-ce que ça hérisse le poil? Est-ce que ça vous hérisse le poil? Quel qu'il soit. Je...
C'est Oren, Dragon Full of Light. Ah, j'avoue que j'ai quand même un peu le bras qui se... Ah, je sais pas quoi en faire. Non, je la mets en épique quand même. Je la mets en épique quand même parce que... Cette musique, elle, c'est celle que j'ai utilisée pour imager la... Dans ma vidéo sur les légendaires, le bouclier des prophéties. Il est la meilleure légendaire, hein, tout le monde le sait. C'est pas. En vrai banger, c'est épique, vous savez pas. Ouais, mais en fait, je sais pas. En fait, je la mettrais bien, mais entre les deux, là. Parce que c'est vrai qu'à côté des autres, là, je... Mais il y a quelque chose, quoi. Je la trouve au-dessus de celle-là. En même temps, il y a Bleach Sacrifice aussi. Attends. Ah non, Bleach, les Mew, là. Bon, je la laisse là. C'est à cheval, quoi. Bon, là, il y a trois parties, mais comme c'est un peu les mêmes, j'ai mis qu'un seul titre, hein. On voulait pas. Don't bug in the system. À cheval. Exactement. Faut que tu te renommes du coup. À cheval. À chevalia. Je vais la mettre où celle-là? Je vais la mettre en cool. C'est pas mal, hein, mais... Elle envoie quand même un peu, hein. Elle envoie un peu, mais est-ce que c'est un banger pour autant? Peut-être pas quand même, hein. Allez, on passe. Allez, celle-là. Tiens, j'avais mis ça, là. Épisode 5, All of Nothing. J'ai pas ici. Attendez. On va perdre la playlist. C'est quoi que j'avais mis? Épisode 5, All or Nothing. All or Nothing. Guild Wars 2. Je l'ai pas. Épisode 5. Guild Wars 2. Tout ou rien, quoi. On veut tout ou rien. Hein? Ça peut être ça. Ah, c'est celui-là. Tu sais que j'avais mis les autres là.
Banger, je sais pas si c'est épique. Bon, je vais la mettre, je vais laisser en banger. Et l'autre, c'était quoi l'autre qui me manquait? C'était The War Eternal. The War Eternal. Ah, elle est là. Attendez, mais elle arrive beaucoup trop tôt, The War Eternal. On va la traiter après. The Resurrection, du coup, on avait dit, hein, c'est ça? Ouais. Le Rez. À ce moment, dans la saison 4, là, je crois que là, on est en train de vivre en musique, là, c'est le, vraiment le moment... Épisode 5, épisode 6... C'est juste ouf, quoi. Je suis con, elle était là, All or Nothing. C'est pas un titre qui dure très longtemps, ça. Non, c'est pardon. Ouais, cette partie-là, faut que je la refasse aussi. Hein. Je l'avais refait avec le succès de retour. Hein. Je l'ai mise où, là? Je l'ai mise en cool. Ok, on va la laisser en cool. Alors là, monsieur, dame, ça va vite être réglé. Hein. Celle-là, je crois que... Je la mets là. Je sais pas vous, mais moi je la mets là. Ah, je peux pas m'en passer. En fait, il y a tout là. Non seulement il y a le moment en jeu, mais en plus il y a le. C'est épique, il y a des chœurs et il y a des tambours. Hein. Ah, il y a tout là. Tout est là quoi. C'est le vol, quand on vole au-dessus de Kralka dans les brumes, là. Si je dis pas de bêtises. Instance de fou aussi, ça. Légendaire. Légendaire. On arrive au bout, là. On arrive au bout. Into the Dragon. Il passe quelque chose dans cette musique là. Ah, le Dragonflight. Elle est dans le méta. Ah, je sais pas là. Je m'en rappelle plus. C'est possible, ouais. Ouais. Ok. Je l'ai fait quelques fois le méta, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, je me souviens plus très bien.
Cœur à cœur. Il y aura des cœurs dedans. Ah, ta femme le méta. Ah bah oui. Ah, c'est clair quand on entend trop souvent une musique. Fear Not This Night, par exemple, la version normale. Je l'ai tellement entendu que c'est vrai que... J'écoute moins maintenant, quoi. Après, il n'empêche que ça reste un titre de fou, quoi. Cœur à cœur. Ouais, il y a un petit quelque chose, mais bon. Bon allez, l'ascension. Mookie approuve cette musique. Est-ce que ce serait pas épique? Ok. Bon, il nous reste plus que deux. Il nous en reste plus que deux. Plus banger. Non, franchement, elle me transcende bien quand même à l'ascension. C'est pas Dragon Fight, quoi, mais. Ça, c'était le teaser, ça. Le teaser, les frissons, ce trailer. Je ne sais même plus d'ailleurs ce qu'il y avait dans ce trailer. Leurs musiques de trailer sont toutes bien, en fait, hein. Sur cette saison, en tout cas. Et ils sont là, épisode 1, 2, 3... Oh, le 4, je sais pas sur lequel, d'ailleurs. Ah, bah 4, 5, 6... C'est du Epic Banger minimum, quoi. Ah, c'est Zafira qui raconte les préceptes de Batlazar. Ah bah, Zafira qui est présente. La puissance du piano quand même là. On sent que le mec il est en train de se coucher dessus quoi. Bon. Allez. Voilà, ça va être un peu puissant là aussi. C'est la dernière ce soir en tout cas. Still the stars find their way.
can't sleep, hear the whispering of the wind. Awaken as the silence grows in a solitude of the night. Darkness spreads throughout the land and your weary eyes open silently. Sunsets have forsaken all the most far off horizons. Nightmares come when shadows grow. Eyes close and heartbeats slow. C'est un trailer du reste, il me semble. On s'est bien aidé par la chanson qui est déjà de base légendaire. Mais c'est clair que la reprise là, elle envoie de l'entrecôte. Hein. C'est pas mal. Écoutez, merci. C'est cool, hein, je vais la publier sur, sur Twitter, sur Discord. Et puis bah du coup on va être obligé de se refaire une troisième session, un de ces quatre, pour finir tout ça là. Icewood Saga est incroyable, mais je ne me rappelle pas particulièrement des musiques. Toutes ne sont pas ouf. Mais il y en a quelques-unes, franchement. Il y en a une dedans, j'hésite à la mettre en légendaire. Et pourtant, le truc c'est qu'à côté des autres, je sais pas, elle serait peut-être pas. Mais il y en a une, je l'adore dedans, et je vous dis pas laquelle. Mais voilà, il y en a une que j'adore. merci beaucoup à vous d'être passé, c'était super sympa. On va devoir remettre ça un de ces quatre.